make it to a tree. And I found you on my way. Let's fly real high till the morning comes. You don't need to be scared at all. No flood can drown a flying bird. Say you will. Merci à tous. Donc, Tactu Scientifique en 2 minutes 30. Tactu Scientifique fondé en 2011. En mai, donc tout récemment, et maintenant qui compte 4 entrepreneurs à temps plein, 2 scientifiques, un ingénieur et un gestionnaire. Donc pour bien comprendre ce qu'on fait chez Tactu Scientifique, je vais vous parler de chirurgie et je vais vous parler de stationnement, et vous allez voir qu'il y a des liens à faire entre vous. Donc tout d'abord la chirurgie, lorsqu'un chirurgien fait une opération chirurgicale, il utilise différents instruments médicaux, des scalpels, des pinces, des cathéters, mais son meilleur ami c'est son sens du toucher, son sens tactile. Vous, lorsque vous stationnez votre automobile, hein, donc on n'est plus dans le même domaine, vous avez droit à un radar de recul. Si vous avez pris l'option, tant mieux pour vous. Ça vous évite d'écraser la personne en arrière. Mais nous, on trouve que ça ne fait pas de sens. Ça devrait être l'inverse. C'est le chirurgien qui devrait avoir des radars et des détecteurs dans ses instruments médicaux. Donc c'est exactement ça qu'on fait. On a mis au point un détecteur qui est parmi les plus petits au monde, les plus sensibles, compatibles avec le médical, et breveté, et qu'on incorpore dans des instruments médicaux en partenariat avec nos premiers clients, qui sont des hôpitaux de Montréal. Voilà, donc le but, c'est de devenir le partenaire du chirurgien pendant l'opération. Donc on s'en vient très fort dans le médical, et on veut s'en aller très fort aussi dans d'autres marchés dans lesquels notre technologie peut répondre à des besoins, et qui sont des marchés qui ont des cycles de vente plus rapides, parce qu'on sait que dans le médical, c'est quand même long. Donc c'est important pour nous de percer ces marchés, puis c'est notre défi, donc percer ces marchés tout en répondant à la demande de nos clients initiaux dans le médical, qui sont des gens exigeants. Donc on est une start-up de Montréal, très fier d'être à Montréal, une ville parfaite pour innover, et notre but c'est pas de rester à Montréal, évidemment, c'est de croître dans le monde entier et de faire rayonner Montréal au travers de notre croissance. Alors venez nous rencontrer, nous qui sommes le nouveau visage des technologies tactiles au Québec. Merci. Monsieur Gagnier retrouve sa question. Je vous rappelle, au risque de me répéter qu'il y a un micro, si vous voulez poser des questions, vous, gens du public en délire. Monsieur Gagnier. Est-ce qu'on est devant une innovation mondiale ici, en quelque sorte? Oui, oui, oui. C'est une innovation dans la fibre optique que personne d'autre n'a. Une fibre, ça sert à communiquer, si je comprends. Oui, oui. Ben, alors, voilà, sensor, justement. Il faut qu'il y ait un senseur quelque part au bout de ça, non? Oui, ben, au bout ou dans la fibre. Le mieux, c'est dans la fibre, comme ça, il n'y a pas de pièce qui risque de s'en aller, ou ça ne déforme pas la fibre, c'est directement dans la fibre. On n'a pas besoin de modifier ce qui existe déjà pour rentrer la fibre. Et votre chance de survie, votre chance de passer à travers les développements technologiques qui s'en viennent, vous dites que vous avez de l'aide, là, mais oui. Sont grandes vos chances, ou ça vous prend beaucoup d'aide encore, là, ou... L'avantage qu'on a, c'est qu'on n'est pas seulement dans le médical. Parce que si on était seulement dans le médical, il faudrait déjà aller chercher des investissements, ce qui prend beaucoup de temps. Mais l'avantage qu'on a, c'est qu'on a déjà un pied dans le marché scientifique, puisque nous, on vient de ce milieu-là. Donc, on a un prototype qui est à quelques semaines d'être vendu dans ce marché-là. Il nous manque quelques données pour aller sur la route maintenant et puis montrer à quel point ça marche. Question présentant les médecins, les docteurs, les spécialistes qui utilisent votre technologie présentement, les premiers feedbacks que vous avez eus ont été comme voir, c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais vu de leur vie. Puis Pour l'instant, ça reste
utilisés. Ce n'est pas chez l'humain pour l'instant. Mais oui, ils sont très emballés par le potentiel chez l'humain. Donc, dernière chance pour une question. Monsieur? Oui, j'en fais rien. Je n'ai pas bien compris, par contre, la réponse vous avez donné la réponse à la question. Concrètement, pour vous, visuellement, qu'est-ce que ça apporte à l'outil qui est manipulé par le médecin? Oui. Alors, ça amplifie le sens tactile. C'est-à-dire qu'au lieu de compter uniquement sur votre peau pour le sens tactile, vous aurez des signaux sonores ou visuels qui se déclenchent lorsque vous êtes dans une zone de danger, avec un scalpel ou avec un cathéter, puisque c'est ça la prochaine application. Vous allez pouvoir savoir si le cœur, certaines parties du cœur sont malades simplement en les touchant. Sauf que là, on n'a pas besoin d'ouvrir la personne en la touchant, on a simplement besoin de faire passer un fil microscopique pour aller palper le cœur. Merci beaucoup, François Bergeron. Donc, je vous remercie. To read the winds better.